La petite plante que vous voyez ici est une plante qui est très répandue. Hein? Il s'agit en fait de Amaranthus hybridus, qui pousse souvent en friche, hein, dans les champs déjà cultivés ou près des lieux d'habitation. C'est une espèce qui peut se présenter sous forme ruderale. Et on voit quelques pieds ici, dans ce petit jardin, qui sont en pleine fleur là, un peu partout. Elle est beaucoup appréciée parce que cultivée aussi comme légume. Hein, en anglais, on l'appelle en fait African spinach, c'est-à-dire l'épinard africain. Et en français, il s'agit de l'amarante améliorée. Hein, amarante améliorée. Et, ou encore de la queue de renard. Certains appellent ça queue de renard, à cause sans doute de la forme très très particulière des feuilles. Hein. Alors, donc cette plante va mesurer souvent entre. Alors, ce pied, il a combien? Je déploie ma règle. Celui-là, il a environ, depuis le sol, hein, 60 cm. Je suis à la troisième division de ma règle, 60 cm. Mais on a donné des hauteurs jusqu'à, disons, 1,50 m. Hein. Ça peut grandir beaucoup plus. Et quand on l'approche, il y a en fait il y a plusieurs variétés d'amarante. Nous avons dit que ça c'est hybridus. Il y en a d'autres, hein, spinosus, etc. Il y a jusqu'à au moins 5 variétés d'amarante. Et c'est intéressant donc de connaître les caractéristiques pour pouvoir les distinguer. En particulier en ce qui concerne celui-là. Que certains malinqués appellent boron monintant, c'est-à-dire l'amarante sans épines, boron étant l'amarante, monintant sans épines, eh bien, on va remarquer tout de suite que son tronc est quadrangulaire. Là, on peut voir, il y a quatre faces. Il y a une première face ici, une deuxième face ici, une troisième face là, et une quatrième face derrière. Et le tout bien distingué par des arêtes. Voilà, une arête ici, une arête ici. C'est très clair. Parfois, entre deux arêtes sur la face, on voit un petit sillon. Mais le tronc est verdâtre, comme on peut voir ici. Même sur les anciens troncs, hein, ça tend, lorsque vraiment c'est à bout de cycle, ça peut tendre vers le jaunâtre. Mais en réalité, c'est souvent verdâtre quand même. C'est une plante annuelle, normalement. Donc quand on est dans une zone à une seule saison, de pluie, ça va pousser surtout pendant la saison de pluie, mais quand on est dans le jardin, on peut faire pousser à n'importe quel moment en réalité. Et bon, ce tronc bien développé, on peut donner une largeur ici de 1,5 cm. Hein. Donc en général, ça ne va pas dépasser 2 cm. 1,5 cm à 2 cm. Et nous voyons que les feuilles sont des feuilles simples. Cette feuille est très large, ça c'est beaucoup apprécié. Mais les jeunes feuilles surtout sont très appréciées pour faire sauce. Hein, parce que c'est une plante qui est très riche en fer. Et donc, c'est des feuilles simples. Quand on regarde leur positionnement aussi, elles sont alternées. Je vois une feuille là, une feuille là, une feuille là, une feuille là. Et c'est aussi assez remarquable de voir que, en fait, ce qu'on pourrait appeler des jeunes branches, des jeunes rameaux, sortent à l'aisselle des feuilles. Donc ça, c'est assez visible. Voici une feuille là. Et voilà, disons, un rameau, un nouveau rameau qui est sorti là. Qui va comporter plusieurs feuilles, mais qui est sorti à l'aisselle des feuilles. Là, voilà un autre exemple. La feuille est là. On voit la feuille et le rameau est sorti à l'aisselle de la feuille. Donc, cela a quelques caractéristiques déjà qui peuvent permettre de faire la distinction de cette plante. Maintenant, quand on prend la feuille elle-même, on voit la couleur, hein, une feuille pleinement développée. On voit d'abord la forme. Hein, c'est une forme, disons, obovale, même si c'est acuminé, c'est-à-dire ça s'amincit vers l'extrémité supérieure, mais aussi vers l'extrémité inférieure. Et le pétiole est très long. Hein, ce pétiole, celui-là, par exemple, il est jusqu'à combien? Hein, environ 10 cm, hein, de l'attache sur la tige au point de naissance de la partie papyracée, donc du limbe même. On a jusqu'à 10 cm. Évidemment, pour les jeunes feuilles, c'est beaucoup plus petit. Par exemple, cette feuille, nous avons 2 cm, hein. C'est quand même assez important.
Et si on prend la feuille pleinement développée, là, on a une largeur dans la partie, on voit la forme, elle est ovale, la partie bien élargie, ça vaut 10 cm ici de largeur, tandis que, disons, en hauteur, on voit jusqu'à peu près 19 cm. Et les nervures sont très imprimées en relief en la partie inférieure de la feuille. Les feuilles sont, au toucher, on voit qu'il y a une légère pubescence, hein. C'est légèrement poilu, hein. On peut sentir même, il y a un duvet. Et la face supérieure est d'une couleur un peu vert foncé, tandis que vert un peu plus clair en bas. Et les nervures en haut sont plus en dépression, hein, c'est plus évanescent, mais c'est encore très visible. Et on peut compter les paires de nervures secondaires, on peut en compter une, deux, elles ne sont pas face à face, mais on va compter en paires. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, c'est la paire. La feuille pleinement développée, 10 paires de nervures secondaires. Et donc, au fur et à mesure que cette plante va se développer, hein, le cycle végétatif va continuer. À un moment donné, on va assister, notamment à l'extrémité de la tige principale, mais aussi des tiges secondaires, hein, une inflorescence terminale, donc avec des fleurs groupées, formant une sorte de mousse, très abondante. Bon, ici ça vient juste de commencer, mais on peut prendre peut-être un pied où l'inflorescence est assez avancée, là par exemple un peu plus loin. Bon, donc on voit là par exemple, il y a une inflorescence sur cette tige secondaire sortie à l'aisselle de cette feuille, on voit une inflorescence, mais ça se situe quand même à l'extrémité du rameau, hein, toujours à l'extrémité du rameau. Hein, même si c'est sorti axillaire à la feuille principale ici, et on voit c'est une sorte de bouquet, et en haut de la tige principale c'est plus empilé là-bas, hein, comme des tresses de femmes africaines, hein, on voit là, tout ça c'est des inflorescences, donc ça c'est, disons, ça forme des épis assez cotonneux, et dans la littérature on a distingué entre les fleurs mâles et les fleurs femelles, mais ça va être un peu difficile de faire ça à l'œil nu ici, même en prenant une loupe, hein, eh bien, même en prenant une loupe, en fait, on n'améliore pas très bien la lisibilité, donc nous allons peut-être regarder tout simplement à l'œil, et on va prendre un de ces épis, hein, on va donner ses dimensions, la largeur là, ça fait quoi, disons 1 cm, hein, il y a plusieurs fleurs en fait là-dessus, et là, on voit là une hauteur jusqu'à environ 5 cm aussi. Donc il y en a plusieurs comme ça. Quand on veut essayer de les compter, il y en a peut-être de ces épis là. À la base ici, j'en compte une dizaine. Donc il y a au moins une centaine, hein, qu'on peut voir qui sont empilés là. C'est assez remarquable. Et en fait, avec le développement, on voit que ces petites fleurs vont se féconder. Et à l'intérieur, quand on coupe... disons, on va couper un de ces épis, donc avec sa mousse, déjà on voit les petites graines noires. Si j'écrase, il y a cette espèce de son qui se détache, hein, de l'enveloppe donc des fleurs en fait, qui est formée des sépales et des pétales, ça se détache. Et là, pour les fleurs vraiment arrivées à maturité, les fruits à maturité, eh bien on constate que les graines se détachent carrément du reste. Donc tout est mélangé ici. Si je souffle un tout petit peu, voilà. Voilà, ce qui reste là, ce sont les graines. Elles sont toutes petites. En regardant de près, on voit que la forme est relativement sphérique. Mais là, on a la dimension, c'est quoi? Ça ne fait même pas un millimètre, hein, un demi-millimètre, je donnerais. Hein, ces petites graines de couleur noire, à marron noirâtre. Ce sont ces multiples petites graines, hein, qui vont se trouver, il y en a des milliers à l'intérieur ici, qui vont assurer donc la reproduction de cette plante. D'ailleurs, les jardiniers et les jardinières, justement, laissent quelques pieds qui vont pousser comme ça jusqu'à avoir l'inflorescence, hein, pour pouvoir récupérer après donc ce chevelu abondant et les écraser et recueillir les graines qui vont ensuite ensemencer ailleurs
pour multiplier la plante. Mais elle est beaucoup cultivée en fait et consommée en sauce. On a dit qu'en anglais on appelle épinard africain. Et à cause de ses feuilles, donc c'est surtout les jeunes feuilles hein, qui sont beaucoup beaucoup appréciées. Donc on va pas laisser dans le champ, comme vous voyez ici, hein, on voit quelques jeunes pieds. On voit pas, voilà un jeune pied par exemple là-bas. On ne va pas laisser tous les pieds hein, se développer jusqu'à avoir cette inflorescence abondante. Et donc on va recueillir surtout les feuilles qui sont très très appréciées et qui sont énormément faciles à écouler sur le marché hein, pour les sauces. Beaucoup de gens consomment ça. Et donc c'est conseillé en particulier si on veut avoir un régime riche en fer. Maintenant, nous allons donner quelques noms locaux pour cette merveilleuse petite plante qui est cultivée un peu partout maintenant dans le monde. Hein. C'est une espèce, on va dire, quasiment universelle maintenant. Il y a plusieurs variétés. Alors, chez les Indiens d'Amérique même, on trouve des variétés dont, disons, l'inflorescence a de multiples couleurs. Parfois c'est jaune, parfois c'est violacé, parfois c'est pourpre. Hein, donc d'un rouge profond et ça fait des couleurs très 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 jolies d'ailleurs. Ça peut être utilisé comme une plante ornementale aussi, en dehors du fait que les feuilles sont consommées. Maintenant, quelques noms dans les langues locales. Et donc, par exemple, les malinkés, que ce soit au Mali, en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, ils vont l'appeler l'amarante donc améliorée, et ils vont l'appeler boron, tout simplement boron, hein, ou bien boron wanintan, c'est-à-dire l'amarante qui n'a pas d'épines, parce qu'il y a une variété qu'on va présenter dans une autre vidéo qui a des épines et qui est moins consommée en fait, hein, même si dans certaines contrées ça l'est aussi. Alors boron, et les Mossi du Burkina vont appeler ça boromboula. Hein, donc très proche aussi du Bambara ou du Malinké. Et en Guinée, eh bien, dans la langue Kissi, ils vont l'appeler Fondoulo Saman. Fondoulo Saman. Au Bénin, en fond, ils vont l'appeler Tété ou bien Faux Tété. Et en Yoruba, là-bas, toujours au Bénin, on va appeler cette plante Tété Oyibo. Tété Oyibo. Et au Togo, en Évé, Évé Wati, ils vont l'appeler Tétéma. Ou bien faux tête. Faux tête. Alors, donc, ça, c'est juste quelques noms que nous avons pu tirer de la littérature pour indiquer, pour désigner du moins cette merveilleuse petite plante qu'est Amaranthus hybridus.